Aleksandar Vučić transformé en Pinocchio. Pour le 13e samedi consécutif, les Serbes sont descendus dans les rues de Belgrade pour dénoncer les mensonges et l'autoritarisme de leur président. Les manifestants réclament des explications au sujet d'agressions violentes contre des opposants au gouvernement. Ils réclament aussi plus de liberté pour la presse, une justice impartiale et un plus grand pluralisme politique. À la suite de la première mobilisation, le 8 décembre dernier, les manifestations contre le président ultralibéral ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes chaque week-end. Parti de la capitale, le mouvement s'étend désormais à une cinquantaine de villes à travers tout le pays. Depuis l'arrivée au pouvoir du Parti progressiste en 2012, il s'agit de la plus grande vague de contestation en Serbie.